Mon fils. Oui, mais. Ça, ça sera un jour. Non, tel que tu l'as habillé, ça, c'est une bonne femme. C'est une très bonne. Tu vas aller là, mon ami. Chérie. Pardon, va mettre par là. Faut pas me toucher. Une grosse boule de couscous comme ça qui passe le temps à fatiguer mon fils. Eh oui. Chérie. Tu pars où avec la mamie de Condé que j'ai préparé hier soir? Point d'interrogation. Chérie, s'il te plaît, explique-moi. Tu pars où avec la mamie de Condé et le tissu pas sur toi? Ton problème, c'est quoi, madame? Tu vas lire, là, mon ami. J'espère que ce n'est pas les histoires que j'entends sur les réseaux sociaux. Je te dis que... J'espère que ce n'est pas les histoires que j'entends là. C'est ça. Explique-moi, tu pars où avec le tissu pas sur toi et la mamie de Condé que j'ai préparé? Elle n'était pas au courant. Ma elle est pas. Attends, je vais me. Au courant de quoi? Qu'est-ce que le remède de la femme, c'est la femme. Quoi? Ma, elle était pas au courant. Je vais lui dire ça maintenant comme tu es là. Ma mère m'a trouvé une bonne femme. Voilà. Je savais. Ma mère m'a trouvé une bonne femme. On est en train d'aller comme ça doter ma femme. Quoi? C'est vrai que je n'ai même pas encore vu cette femme. Mais rien que quoi? Dans la manière, rien que la façon dont ma mère m'explique qui est cette femme. Et une fois dit à maman que maman ne perdons pas le temps. On allait d'aller comme ça là, prendre une femme. Tu as dit que le père a demandé 100 000. 100 000 là, 25 000. Avance 25 000. Et la maman, fille va passer le temps à nourrir mon fils. Mais je sais. Elle a déjà fait des économies d'un million de francs. Ma? Et là-bas, la dot coûte 5 cajots de tomates, un filet d'oignon et 100 000. 000. D'avance, on donne 25 000. 25 000, on finit petit à petit. Ma, on était chez eux. Ton père nous a demandé quoi? Point d'interrogation. 500 000. 5 cajots, c'est 10 cajots de tomates, ma. 10 porcs. Hein, papa, 5 filons de d'oignons. Ton père a demandé tout ça là. Où c'est 20 régimes de plantain? Tout ça là, c'est pour faire quoi? On vend la femme, maman. C'est ça que quoi? On vend la femme chez vous. Depuis qu'on est rentré là, tu m'as dit quoi de concernant cette liste qu'on nous a donnée? Maman, tu te rappelles que pendant qu'on était avec papa, on toquait porte seulement. Toquait porte seulement. On a pris 10 cajots de bière. 10 casiers de bière, uniquement toqué pour. On met une boîte d'arachide donc, de 200 francs, on donne 3 000. Celle-ci que tu vois, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas dites, ma. Oui, papa. Il y a beaucoup de choses qui doivent être dites aujourd'hui. Vas-y. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas dites. C'est que tu vois, tu penses que c'est une femme. Écoutez très bien. L'autre, elle a 1 million. Quelqu'un qui a 1 million, elle a son compte au marché, c'est débrouille là. Oui. Celle-ci, ça fait presque 3 ans et demi qu'on vit ensemble. La seule chose qu'elle m'a appris, ma, je peux les chanter où les gens mangent. Là, il a. Oh, position les a au mur. Hey oh, pose mon pied sur le canapé X. Tout ça, c'est oh, le bagage. Clé 14. Oh, couille ma tête au plafond. Hey oh, maman, tout ça. Les positions araignées. Maman, position araignée. Tu as connu tout ça avec papa. Hey voilà tout ce qu'elle a passé. C'est ça, c'est quoi? Oh, couille-moi. Tape mes fesses. Oh, gifle-moi. Oh, couille mon front. Serre mon cou. Tue-moi. Regarde comment cette noirette a rougi dès que tu parles, mon fils. Voilà. Parce qu'elle a su elle une marchandise sans capital. Tu sais qu'avant de rentrer là, elle était où? Ma. On peut acheter la nourriture en sexy comme ça là. Point d'interrogation. Tu demandes seulement un seul enfant. Elle dit que si on ne la dote pas, elle ne me donne pas un enfant. Non, voilà la condition qu'elle me donne des filles. C'est des soignants. Si, donc c'est là pour tuer le temps quand je veux voir pourrir. On a vécu 3 ans sans problème. Les problèmes ont commencé quand je me suis levé. Quand j'ai appelé les mamans, papa, qu'on part. Vraiment pour le toquer, pour on a vu les miracles. Maman. Donc aujourd'hui là, nous on a nous décidé que on n'est pas prêts à se séparer. Ouais. On est toujours là. Mais sauf que le jour que toi tu sens que tu es fatigué, non, tu portes tes pieds, tu pars. Ah bon? Maintenant, celle qu'on parle douter maintenant là, c'est la femme que ma mère reconnaît. Ma femme, ma mère ne te connaît pas. Tu ne sais rien. Tu es seulement chez moi, tu bouffes, tu manges comme le porc, le chaos. Réellement, tu es brou comme. Ben, chaos. Moi à ta place, je quitte le public avant que le public ne me quitte. Madame, chargez-nous la mamie de Condé. Et si c'est ça, comme ça donc que le massacre commence. Vous risquez de me verser. Entre ici. Il a encore une. Entre. Il n'y a personne de bouche ici. Attends. Lève-toi et vois. Tu vas lire, mon ami. Voilà le genre de femmes que j'ai chez moi. Ouais. Là-bas, c'est pour elle. Elle est forte plus que Francis Ngannou. Oh, cogne ma tête au mur. Tu es forte plus que Francis Ngannou. Position les. Mon fils, on ira. Position kangourou. Tu n'as pas confiance. Position kangourou. Position le singe qui a fait. Voilà, tout c'est tout le temps qu'elle a fait. On ira. Laisse ta poche. Laisse-moi. Tout ce que tu sais faire, c'est la brutalité.
Tout ce que tu fais, c'est la vitalité. Le matériel, l'argent, ouais. Position des arts. On ne peut plus. Maman, position des arts. Je décide une fois que. Papa. On ne va plus vivre ensemble. Fais laisser le coup manger sa tête. C'est fini. Je m'avance avec. Moi, je ne te demande pas d'abord pour que je vais arriver tôt. Je m'avance avec la mamie de Fabien. Tu vas lire, mon ami. Dès que possible, suis-moi. J'ai une famille. Papa, tu sais. Tu me sors. Attends-moi. Comment la mamie la fait? Tu ne sors pas. Ton problème, c'est quoi? Ça, c'est pour moi. Vous comprenez dans la compréhension? Tu fais tout ça devant ma mère. Tu fais tout ça devant. Voilà, maman. Maman, montre-nous la fausse. Montre-nous la fausse. Voilà. Maman, je vais te faire. On va. Tu vas me fermer le portail. Non! Quittez là-bas! Bien, avant de continuer, je voudrais vous présenter cette entreprise appelée Easy Market. Vous qui êtes à Mbengla, c'est la meilleure entreprise actuellement au Cameroun. Si vous voulez envoyer les vivres, les produits alimentaires à vos parents ici au Cameroun pour éviter les histoires où on envoie souvent l'argent aux oncles et aux tantes qui font leur business avec. Donc, désormais, contactez l'entreprise Easy Market via ses contacts si vous voulez ravitailler vos familles ici au Cameroun. Et ils livrent en moins de 24 heures partout où tes parents se trouvent. Ils partent te livrer. Donc, contactez cette entreprise. L'entreprise est efficace. Easy Market, le meilleur. Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance.